Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous accueillir sur notre plateau pour la première émission de l'année 2007. Comme à l'accoutumée, de semaine en semaine, nous allons ensemble découvrir les différentes manifestations ou les informations qui ont retenu notre attention et qui méritent d'être partagées en votre compagnie. Mais vous vous en doutez, puisque nous sommes à l'aube d'une nouvelle année, eh bien, les activités sont encore quelque peu au ralenti. Ce sera certainement le cas jusqu'à la fin. De ce mois. Quoi qu'il en soit, l'agenda n'est pas copieux, mais comporte suffisamment d'éléments pour attirer votre attention et je vous propose tout de suite de commencer à le découvrir ensemble. La première information concerne les repas à 5 francs qui ont d'ailleurs recommencé leur activité ce mercredi. Donc, si vous désirez savoir quel sera le menu que l'on vous proposera la semaine prochaine, nous serons le 11 janvier, et eh bien sachez que le menu se composera d'un Pot au feu de son bouillon, il y aura un dessert. Pour ces repas, il est utile de s'inscrire. Le numéro de téléphone mobile qui est à votre disposition. C'est le 076 630 33 71. On peut le répéter si vous n'étiez pas encore familier avec ce numéro. 076 630 33 71. Mais il y a également une adresse de courrier électronique que vous pouvez utiliser pour procéder à votre inscription. Et cette adresse, c'est repas à 5 francs gmail.com dans repas à 5 francs n'oubliez pas de mettre le 5 en chiffre et non pas en lettres et puis on vous rappelle que pour ces repas il est également possible de pouvoir euh, téléphoner et d'en disposer à l'emporter voilà une petite nouveauté qui devrait peut-être également vous sierre euh, donc n'hésitez pas repas à 5 francs pro prochain rendez-vous le 11 janvier dans le domaine d'autres repas sur notre commune il y a ceux qui sont Organisé euh, au Lignon, c'est les Joyeux Dimanches. Le prochain rendez-vous qui est proposé par cette association, le, le repas sera servi pour la date du 8 janvier. Le menu est déjà connu. Ce sera rôti haché façon grand-mère, purée de pommes de terre, carottes, suivi d'un dessert et d'un café. Pour les repas organisés par les Joyeux Dimanches, on demande une participation d'un montant de 10 francs minimum. Et cela inclut les boissons. Là aussi, il est préférable de s'inscrire en avance et les inscriptions pour le menu du 8 janvier des joyeux dimanches devra s'effectuer jusqu'à la fin de cette semaine, donc le vendredi 6 janvier, jusqu'à midi. Il y a un numéro de téléphone qui, là aussi, est mis à votre disposition. C'est le 022 796 62 79. On peut vous le redonner, 022 796 62 79. Et puis en ce qui concerne la macave, la reprise des activités se fera la semaine prochaine. L'exposition commencera à partir du mardi 10 janvier et sera proposée jusqu'à la date du 28 janvier. Ce seront Elisabeth Bernheim et Catherine Vasquez qui vont exposer des mosaïques ainsi que des pastels sous l'intitulé Fragments et poussière. Les horaires de la macave, on vous les rappelle, c'est ouvert du mardi au vendredi de 14h30 à 17h30 mais également le samedi de 10h à 16h. Si vous voulez des renseignements pour pouvoir utiliser les locaux pour faire une exposition, si vous désirez peut-être aussi donner un coup de main aux personnes qui sont présentes pendant les horaires d'ouverture de la macave ou pour tout autre élément, un numéro de téléphone à utiliser 079 401 0190. On le redonne 079 401 01 90. Pour ce qui concerne les activités, mais cette fois-ci de la maison de quartier d'Aïr-le-Lignon, à partir de lundi prochain, nous serons le 9 janvier. Il y a l'atelier du lundi qui se met en place. Ces ateliers se tiendront jusqu'à la date du 6 février. Les horaires pour ces ateliers, c'est à partir de 16h jusqu'à 18h. Le prix d'inscription pour les ateliers, c'est un montant de 1 franc par lundi. Si vous désirez vous inscrire pour ces ateliers, sachez que le formulaire d'inscription est disponible au secrétariat. Il est également possible d'obtenir des renseignements ou plus de détails sur l'activité de ces ateliers avec le numéro de la maison de quartier d'ailleurs le Lignon qui est le 022 970 06 90. On le redonne 022 970 06 90. Sans cela, n'hésitez pas à passer par le site internet c'est 3 qui vous donnera l'occasion là aussi de trouver bon nombre d'informations sur les activités. Et puis le dernier élément que nous avons retenu pour l'agenda d'aujourd'hui, il se tiendra dans deux semaines, mais il est bon peut-être de déjà le noter dans vos agendas. L'élément aura lieu à la salle des fêtes du Lignon en date du samedi 14 janvier, et ce sera la FSG Aïr le Lignon qui va fêter ses 50 ans. On espère que vous ne manquerez pas cette soirée, et celle-ci commence à 19h. Ce sera certainement... Un merveilleux spectacle et un beau moment car ce n'est pas tous les jours qu'une association est en mesure de pouvoir fêter 50 ans d'existence. Voilà pour l'agenda d'aujourd'hui. Évidemment, puisqu'il est présenté en une seule langue, nous n'avions pas la participation du lingala et de l'arabe pour l'émission d'aujourd'hui. L'émission donc dure un petit peu moins longtemps, ce qui nous donne l'opportunité de pouvoir vous rappeler le fonctionnement de notre émission qui est proposée en direct chaque mercredi à condition que vous résidiez dans la Cité des Avanches. Et que vous soyez raccordé à son réseau ou encore que vous nous regardiez par le biais d'Internet sur la plateforme. Livestream. Pour trouver le lien pour l'émission sur Livestream, consultez tout simplement notre page Facebook, dont il est bon de rappeler que nous en avons changé le nom, puisque la page sous l'intitulé Canal 29 ayant subi quelques désagréments, nous avons modifié cet intitulé qui est devenu Canal 29 Vernier Avanchet, ce qui ainsi garantit qu'il ne puisse pas y avoir de ressemblance ou de confusion avec notre télévision. Et puis, si vous êtes en dehors des Avanchets ou que l'accès internet n'est pas celui que vous préférez pour regarder une émission de télévision, eh bien soyez patient jusqu'au lendemain, le jeudi à partir de 14h où là notre signal est disponible sur le réseau UPC pour les communes genevoises ou sur le réseau Naxo pour ceux qui résident en ville de Genève. Et puis d'ici à 24 ou 48 heures, l'émission sera également mise en ligne sur YouTube, ce qui vous donnera une possibilité supplémentaire de revoir nos programmes et d'ailleurs toutes nos émissions sont en ligne sur YouTube ce qui donne actuellement je crois de l'ordre de 187 émissions qui sont consultables en ligne directement vous avez là de quoi vous occuper largement un week-end toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente fin de soirée. Nous vous renouvelons nos voeux. Nous espérons que cette année 2017 vous apportera, eh bien, en tout cas, la santé, voire même d'autres opportunités ou d'autres possibilités de réalisation. Et on vous donne rendez-vous mercredi prochain à la même heure, c'est-à-dire à partir de 20h, pour une nouvelle rencontre, un nouvel agenda et partir à la découverte des activités de la ville de Vernier.